Bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir, une fois de plus, avec l'équipe du cabinet d'avocats et de consultants en immigration Nadia Barrou, puisqu'on va vous parler des permis de travail qui vous permettent de travailler au Canada sans avoir à faire une EIMT. Vous inquiétez pas, on va définir ce terme dans quelques minutes. Bonsoir à toutes les deux. Et merci. Bonsoir, Julie. Et Bonsoir. merci en avance pour tout ce que vous allez nous expliquer. Donc, ceux qui n'ont pas suivi notre actualité des dernières semaines, vous verrez, on va vous le mettre en commentaire de la vidéo. On a fait récemment une vidéo sur les permis de travail avec étude d'impact sur le marché du travail. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces permis-là, regardez bien le replay que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube PVTiste. Et puis aujourd'hui, on va parler de ceux qui ne nécessitent pas cette démarche qui peut un petit peu embêter certains employeurs. Donc, avec ces deux vidéos-là, vous aurez un bon aperçu des permis de travail qui vous autorise à partir travailler au Canada. Pour vous présenter pvtis.net, si jamais vous n'êtes pas familier avec notre site, je vous rappelle qu'on est un site d'information gratuit qui parle principalement du PVT, qui va être un peu évoqué aujourd'hui, des autres permis EIC qui vont aussi être évoqués aujourd'hui. Il s'agit notamment donc du VIE, du permis jeune professionnel et du permis stage. Et puis, par extension, au fil des années, on vous a parlé aussi des études, des formations professionnelles, de l'immigration, notamment via toute une série de lives qu'on a fait ensemble avec le cabinet d'avocats Nadia Barrou, dans lequel on vous explique entrée express, la résidence permanente au Québec, etc., etc. Et tous ces replays sont sur notre chaîne YouTube PVTiste, même si je pense que dès la rentrée, on refera de temps en temps des nouveaux lives pour vous donner les dernières actualités, puisque c'est un sujet qui peut changer assez régulièrement. On est présent, vous le voyez ce soir sur YouTube, sur Facebook, on est également sur Twitter, sur LinkedIn et également sur Instagram où on fait une fois par semaine une session de questions-réponses en direct sur le PVT, toutes destinations confondues, hein, si jamais vous hésitez entre le Canada et un autre pays. Et cette semaine, ce live aura lieu demain à 17h. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement notre article qui s'appelle Événement PVTIS 2022, puisqu'on fait assez souvent des webinaires, des lives et on reprend un petit peu les événements en physique. Par exemple, demain, on va faire un live sur la page Facebook Mon projet au Canada avec Desjardins qui sera à 100% consacré au PVT. On a également une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, une newsletter dédiée au PVT Canada qui peut vous permettre de recevoir un email quand il y a une information importante. Ça a été le cas récemment, puisque le Canada a rajouté des places dans le quota des Français et des Belges pour le PVT. C'est typiquement le genre de bonne nouvelle qu'on vous envoie par email pour que vous soyez sûr de ne rien manquer. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qu'on vous propose sur le site. Et je terminerai par dire que vous pouvez télécharger gratuitement le guide des PVTistes au Canada, qui va évidemment informer les PVTistes, mais en fait tous ceux qui veulent partir vivre au Canada, puisque dedans on parle de travail, de logement, d'achat d'une voiture ou d'un van, de voyage, de culture, de possibles difficultés, et puis de vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique. J'ai maintenant terminé mon introduction. Vous êtes tous présents, je pense, maintenant. Donc je vais laisser la parole à nos expertes du soir. Merci beaucoup Julie et bonsoir, bonjour à tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Puis je reconnais quelques noms dans la liste des personnes présentes. Alors bonjour à nouveau. La dernière fois, le dernier webinaire qu'on a fait avec PVTiste concernait le programme de permis de travail avec EIMT, donc avec étude d'impact sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on va voir quelques permis qui ne nécessitent pas d'études d'impact sur le marché du travail. Alors, la première chose qu'on fait quand on envisage un permis de travail, c'est d'abord de voir si on peut se passer de l'étude d'impact sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, nous sommes deux à vous faire cette présentation. Il y a ma collègue Aurore Lavenne, qui est technicienne juridique et qui est très vraiment spécialisée dans les permis de travail. Et puis moi, je suis Nadia Barrou, avocate. Je suis avocate depuis très longtemps, depuis 1994, et je travaille uniquement en immigration au sein d'un cabinet boutique spécialisé en immigration. Alors, une petite mise en garde, ce qu'on va vous dire aujourd'hui est d'actualité aujourd'hui. Donc, avant de vous lancer dans vos démarches, vérifiez que les informations que vous avez sont à jour. Tout le monde sait que, en immigration, ça change souvent
et beaucoup. Juste hier, on a eu des nouvelles concernant un permis de travail ouvert pour ceux qui détenaient un post-diplôme, et vous allez voir que ça change par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, alors je vais laisser la parole à Aurore qui va commencer. Alors, on va commencer par voir qu'est-ce qu'un permis de travail. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez travailler au Canada, si vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent, il est obligatoire de détenir un permis de travail. Sauf quelques exceptions pour certains chercheurs, pour les étudiants lorsqu'ils travaillent hors campus ou par exemple pour le service après-vente. Alors, il existe deux types de permis de travail. Le permis de travail spécifique, également appelé plus communément permis de travail fermé. Celui-ci, il est basé sur une offre d'emploi et il vous permet de travailler pour un employeur déterminé, dans une profession précise et à un lieu d'emploi particulier. Tous ces renseignements sont indiqués sur votre permis de travail et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de travailler pour un autre employeur ou sur un autre lieu de travail. Le deuxième type de permis, c'est le permis de travail ouvert, comme par exemple le PVT. Alors là, il n'y a aucune restriction, ni d'employeur spécifique, ni de lieu d'emploi. Par contre, attention pour les personnes qui souhaitent travailler dans le milieu médical, enfin dans le domaine de la santé ou auprès des enfants, là, vous devez impérativement passer un examen médical, sinon vous aurez une mention sur votre permis qui vous interdira de travailler dans ces domaines. Alors, qu'est-ce qu'un permis temporaire? Bah, tout d'abord, le permis temporaire, il faut savoir qu'il a une durée de validité qui est déterminée. En général, ça peut aller de 2 à 3 ans, parfois moins dans certains types de permis. Il faut savoir également que le permis vous autorise à travailler au Canada, mais il ne suffit pas pour vous rendre au Canada. Dans certains pays, vous avez besoin d'un visa. Et pour d'autres pays, une AVE, donc autorisation de voyage électronique. Et lorsque vous avez un permis temporaire, vous avez des conditions à respecter. Pour les permis de travail, il y a des emplois qui sont interdits. Toutes ces notions sont inscrites, hein, sur le permis. Donc vous avez certains types d'emplois qui sont interdits. Vous n'avez pas le droit d'étudier non plus à temps plein. Et vous avez une date de départ du Canada. C'est-à-dire qu'à la date d'expiration de votre permis, vous devez quitter le Canada à moins d'en avoir demandé le renouvellement. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Ahmed Barou qui va vous récapituler les différents types de permis de travail. Merci Aurore, mais avant de passer aux différents types de permis de travail, je vais juste apporter une petite précision à ce que tu as dit en tout dernier. Vous n'avez pas le droit d'étudier ni à temps plein ni à temps partiel, juste avec votre permis de travail, à moins que ce soit un programme de moins de 6 mois. Dès que ça dépasse 6 mois, vous ne pouvez pas étudier à moins d'obtenir un permis d'études. Et vous pouvez cumuler permis de travail et permis d'études. Voilà, alors maintenant, on va passer aux différents types de permis de travail. Alors, il y a deux programmes qui permettent d'embaucher un travailleur étranger. Il y a le programme de mobilité internationale. Donc, c'est un programme qui ne nécessite pas d'études d'impact sur le marché du travail. Et il y a le programme qui nécessite une étude d'impact sur le marché du travail. Ce qu'on va détailler aujourd'hui, ce sont les permis de travail qu'on peut obtenir sans EIMT, donc qui font partie du programme de mobilité internationale. On ne va pas tous les voir parce qu'il y en a, il y a plus d'une centaine de catégories et de sous-catégories de permis de travail. On va juste voir lesquels sont les plus fréquents et ceux que nous, on rencontre le plus souvent dans notre pratique. Donc, quand on reçoit un candidat ou un employeur qui veut recruter un candidat, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de le classer dans une des dispenses. Donc, on va passer à travers toutes les dispenses pour voir si on peut demander un permis en fonction de ces dispenses-là. Alors, quelques exemples. Vous avez le PVT, le permis jeune professionnel que connaissent
tous ceux qui font partie des pays admissibles à ce programme-là, dont la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, le Portugal. Donc, il y a une trentaine de pays qui font, qui peuvent appliquer pour le EIC. Et ça, c'est Aurore qui va vous le détailler par la suite. On a aussi le permis de travail, non, la possibilité de travailler sur campus et hors campus, donc sans permis de travail. Il y a le stage coop, donc qui permet de faire un stage pendant ses études. Il y a aussi le permis de travail post-diplôme. Il y a le permis pour détenteur de CSQ, le A75 et depuis quelques jours le A76 qu'on va voir un peu plus tard. Le permis en mobilité francophone et puis plusieurs autres. Alors, vous avez un lien. On vous a mis deux liens en bas de cette page. Donc, dans le premier lien, vous allez trouver toutes les dispenses d'études d'impact sur le marché du travail. Et on vous a mis un guide de référence rapide qui n'est pas très connu par le public, mais qui vous permet en indiquant votre profession, qui vous permet de savoir d'abord si vous pouvez travailler sans permis et si vous avez besoin d'un permis de travail, est-ce qu'il nécessite une étude d'impact sur le marché du travail ou bien est-ce que ça vous dispense d'une étude d'impact sur le marché du travail. C'est vraiment un guide qui est très précieux et dont se servent surtout les agents. Donc, on vous a envoyé ce lien-là pour que vous puissiez déterminer si vous avez besoin d'une étude d'impact sur le marché du travail ou d'une EIMT. Alors, l'autre programme, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires qu'on appelle le PTET et qui nécessite une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, il y a trois catégories de permis de travail avec EIMT, donc essentiellement trois catégories parce qu'il y a aussi des sous-catégories. Alors, il y a le processus simplifié au Québec qui vise 287 professions en demande et pour lequel l'employeur n'a pas besoin de fournir des preuve d'effort de recrutement. Donc, l'employeur n'a pas besoin d'afficher le poste pour ces 287 professions. Et c'est une liste qui a été grandement rallongée en 2022 et qui vraiment facilite la tâche aux employeurs qui sont obligés de passer par l'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, dans ce processus simplifié, il y a le haut salaire et le bas salaire. Donc, ça fait ces deux sous-catégories. Il y a aussi le volet des talents mondiaux qui comprend deux catégories, la A et la B. Et celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la catégorie B et qui vise essentiellement 12 professions. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, référez-vous à la présentation qu'on a faite le mois dernier. Et enfin, vous avez le processus régulier qui vise des professions qui ne sont pas incluses dans la liste, dans les 287 professions en demande et pour lesquelles il faut fournir des efforts de recrutement. Et là encore, vous avez aussi le volet des hauts salaires et le bas salaire. Voilà. Alors, je laisse la parole à Aurore qui va vous parler de EIC. Alors, l'un des programmes les plus connus, c'est Expérience Internationale Canada, donc appelé communément EIC. Le numéro de dispense, c'est le C21. Donc, il s'agit d'un accord qui a été conclu entre le Canada et 36 pays. Donc, ce sont des accords bilatéraux. Ça vous permet d'obtenir un permis de travail dans les pays qui font partie de cet accord. Et alors attention, la durée du permis varie selon les pays. La durée du travail, maximale, elle varie selon les pays. Donc en France, pour la France, vous pouvez obtenir un permis de 24 mois, pour la Belgique, un permis de 12 mois, et pour les personnes de l'Italie, 6 mois. Donc voilà, vraiment, ça dépend donc des pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que EIC regroupe plusieurs types de permis. Vous avez tout d'abord le PVT, qui est le plus connu. C'est un permis de travail ouvert qui ne nécessite pas d'offre d'emploi. Vous avez ensuite le jeune professionnel et le stage coop, où là,
une demande d'offre d'emploi doit être communiquée à IRCC via le portail des employeurs d'IRCC, c'est-à-dire que l'employeur qui souhaite vous recruter doit soumettre une offre d'emploi sur ce portail. Il doit également régler les frais relatifs à la conformité de l'employeur qui sont d'un montant de 230 $. Donc, ces deux actions sont indispensables pour obtenir un permis de travail jeune professionnel ou alors un permis de travail stage coop. Et nouvelle réglementation qui a été mise en place il y a peu, c'est que dans le cadre du jeune professionnel, l'offre d'emploi doit correspondre au domaine d'études du demandeur et contribuer à son développement professionnel. Donc si vous obtenez une offre d'emploi qui n'a rien à voir avec le diplôme que vous avez obtenu, votre demande de permis pourra être refusée. Alors, c'est sûr que le permis le plus populaire dans UIC, c'est le PVT. Néanmoins, le bassin pour le PVT est vraiment saturé. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes par rapport aux quotas qui sont mis en place. Si vous avez la chance d'avoir une offre d'emploi, passez par le jeune professionnel, où là, vous aurez vraiment plus de chances d'être tiré au sort parce que c'est un permis qui est moins populaire, pour lequel il y a moins de monde. Voilà, c'est vraiment, vous avez vraiment beaucoup plus de chances d'être tiré au sort pour le jeune professionnel. Maintenant, je vais laisser la parole à Maître Barou qui va reprendre la main pour vous parler de la dispense C20, les emplois réciproques. Alors, ce que vient de vous expliquer Aurore, le C21, ce sont des permis qui sont basés sur des ententes de réciprocité. Donc, le Canada a signé des ententes avec plusieurs pays à l'effet pour qu'il y ait des échanges entre les jeunes, parce que l'âge maximum, c'est 36 ans. Donc, c'est basé sur une réciprocité. Alors, il y a un autre permis qu'on appelle un permis pour des emplois réciproques, c'est le permis C20. Alors, pour ceux qui ne se qualifient pas à EIC, on pourrait envisager aussi le C20 qui permet à ceux qui ne font pas partie des pays concernés par C21 de pouvoir venir au Canada faire une expérience de travail. Donc, il faut quand même démontrer la réciprocité. Donc, il faut montrer qu'il y a une entente, soit des ententes culturelles entre le Canada et d'autres pays, et puis il y en a plusieurs. Il faut bien sûr le démontrer, soit le programme Jeunesse Canada Monde, soit une entente entre des ordres professionnels, comme par exemple qui font partie de l'entente France-Québec sur la reconnaissance des diplômes, par exemple un comptable français qui a 36 ans ou 37 ans qui peut pas s'appuyer sur un permis PVT ou un jeune professionnel à cause de son âge, il peut utiliser le permis C20 pour venir effectuer les prérequis afin de devenir comptable au Canada. C'est pareil pour les pharmaciens, les médecins. Donc, l'entente France-Québec contient plusieurs professions pour lesquelles le C20 pourrait s'appliquer. Le C20 concerne aussi les athlètes, les entraîneurs, les athlètes professionnels et semi-professionnels qui travaillent pour des équipes établies au Canada. Donc, il faut démontrer juste la réciprocité. S'il n'y a pas encore de réciprocité, il faut expliquer qu'on est en train de démarrer une entente de réciprocité. Et là, bien sûr, il ne faut pas demander trop de permis. Par exemple, une université qui aimerait faire venir des travailleurs ou des professeurs, elle pourrait utiliser le C20 s'il y a une certaine réciprocité ou s'il y a une entente qui va démarrer. Et cette réciprocité, c'est pas obligé que ce soit un pour un. Il suffit de démontrer une certaine réciprocité avec quand même un certain équilibre, mais c'est pas obligatoirement le même nombre de Canadiens qui partent au Canada que les étrangers qui arrivent qui partent du Canada que des étrangers qui arrivent au Canada. La suivante. Alors, une autre dispense qui est très utilisée,
c'est l'ACEOM, alors ce qu'on appelait avant l'ALENA. Alors, l'ACEOM, c'est l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est un permis qui est vraiment très simple, très rapide, très peu coûteux et parmi les plus utilisés. Il vise 63 professions dont vous allez trouver la liste dans le lien qu'on a indiqué ici. Bien sûr, il faut être soit américain, soit mexicain pour pouvoir se prévaloir de cette dispense-là, la dispense T23. Alors, elle concerne les employés ou les employés salariés ou les contractuels. Les qualifications, il y a des qualifications minimales qui sont requises. Donc, il faut pour la plupart des professions avoir un diplôme universitaire. La demande se fait au point d'entrée. La durée maximale d'un permis est de 3 ans, mais renouvelable sans limite. Donc, ce sont vraiment c'est très courant. L'ACEOM, elle contient plusieurs autres catégories que professionnelles. Il y a le volet visiteur commercial, le volet investisseur, mais celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est le volet professionnel. Alors, on passe maintenant à l'AECG. L'AECG, c'est l'accord économique et commercial global entre le Canada et les pays de l'Union européenne et l'Union européenne. Alors, maintenant, ça ne s'appelle plus l'AECG. Ce n'est pas encore mis à jour dans le guide du gouvernement. Mais maintenant, ça s'appelle l'ACRU. Alors, l'ACRU, c'est l'accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni. Et ça, c'est depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais il continue à faire partie de l'ancienne AECG. Et donc, c'est actuellement l'ACRU. Alors, il y a aussi plusieurs volets à cette dispense, donc à l'AECG. On va continuer à l'appeler l'AECG parce que dans le milieu, on continue à l'appeler l'AECG. Alors, l'AECG, ça concerne les professionnels indépendants, les fournisseurs de services contractuels, les investisseurs et les transferts intra-compagnie. Mais ceux qu'on voit le plus souvent et qu'on traite le plus souvent, c'est le volet des travailleurs indépendants et des fournisseurs de services contractuels. Alors, pour les fournisseurs de services contractuels, la dispense, c'est T47. Le contrat de service se fait entre une entreprise européenne et une entreprise canadienne et non entre un individu européen et l'entreprise canadienne. Alors, le secteur économique est inclus dans l'accord. Donc, quand vous cliquerez sur le lien, vous allez voir les secteurs économiques qui sont pour lesquels vous pouvez vous prévaloir du T47. Il faut être citoyen d'un État membre de l'Union européenne et pas seulement résident. Il faut vraiment être citoyen. Il faut avoir au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise européenne, 3 ans d'expérience dans le secteur d'activité visé par le contrat. Il faut détenir un diplôme universitaire et la rémunération est assurée par l'entreprise européenne. Voilà, alors pour les professionnels indépendants, c'est la dispense T43. Là, le contrat de service se fait entre l'entreprise canadienne et un citoyen de l'État membre de l'Union européenne et non entre une entreprise canadienne et une entreprise européenne. Alors, ça vise des professions uniquement de niveau 0 ou A de la CNP et ce sont des professions qui sont incluses dans l'accord et vous en trouverez la liste dans le lien qu'on vous a mis au début de cette dispense-là. Il faut un diplôme universitaire. Alors, pour l'un ou l'autre des volets, la durée du permis est de maximum 12 mois par période de 24 mois et la prolongation est discrétionnaire pour un maximum de 12 mois. Et le conjoint d'un détenteur de T44 ou T43 peut demander un permis de travail ouvert. Voilà, je laisse la parole à Aurore pour le A75. Merci Nadia. Alors,
beaucoup de monde connaît le A75, hein, s'il est réservé aux personnes qui sont titulaires du certificat de sélection du Québec et qui résident au Québec. Donc, pourquoi ce permis ? Bah, pour poursuivre tout simplement un emploi qui est en cours quand votre permis arrive à expiration, ou alors pour changer d'employeur. C'est un permis qui est fermé et il a une durée de 2 ans. Il peut être renouvelable pour une durée d'une année à condition de fournir au moment de la demande une preuve que votre demande de résidence permanente est en cours de traitement. Donc voilà, vraiment un accusé de réception, des communications avec l'IRCC. Pour pouvoir bénéficier de ce permis, vous devez tout d'abord résider au Québec. Vous devez donc avoir un certificat de sélection du Québec en vue de l'obtention de la résidence permanente. Vous devez également détenir une offre d'emploi au Québec d'un employeur ayant communiqué son offre à IRCC via le portail des employeurs d'IRCC. Donc, comme indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que votre employeur doit soumettre une offre d'emploi sur son portail et régler les frais de conformité qui sont d'un montant de 230 $. Et attention, une mise à jour d'IRCC qui a été faite il y a quelques semaines, l'offre d'emploi doit maintenant indiquer la même profession que celle qui figure sur votre certificat de sélection du Québec. Voilà, donc ça c'est nouveau, c'est malheureusement beaucoup plus contraignant puisque auparavant le permis de travail à 75, vous pouviez le demander pour n'importe quelle profession. Aujourd'hui, les nouvelles instructions d'IRCC, c'est que l'offre, elle doit indiquer la même profession que celle figurant sur votre CSQ. Alors, attention, hein, cette demande de permis de travail, elle est effectuée par l'employé avant l'expiration du permis en cours. Si jamais vous n'avez pas demandé ce permis avant l'expiration de votre permis actuel, vous avez 90 jours pour faire la demande du permis de travail à 75 avec rétablissement de statut. Alors, pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un permis de travail ouvert et qui ont eu la chance d'avoir déjà soumis leur demande de résidence permanente et d'avoir obtenu l'accusé de réception officielle de la demande de résidence permanente, vous pouvez, depuis le 31 août dernier, demander le permis de travail ouvert transitoire réservé aux détenteurs de CSQ. Voilà, donc pour cela, vous devez bien entendu séjourner au Québec, avoir un permis de travail valide, ou être éligible au rétablissement de statut, et donc votre demande de résidence permanente doit impérativement être en cours de traitement. Donc, ça peut être une option par rapport au A75 classique, si jamais vous avez une offre d'emploi si vous avez un emploi qui ne correspond pas à celui indiqué sur votre CSQ. Le deuxième permis de travail dont je vais vous parler, c'est le A76, auparavant appelé PMI+, il a été récemment mis en place. C'est un permis de travail ouvert qui est réservé à la province du Québec. Il a une durée de 3 ans. Attention, ce permis a des quotas. Il y a 14 700 demandes qui peuvent être reçues pour 2022 et 7350 demandes pour les années suivantes. Cette demande est impérativement à présenter en ligne. Et pour pouvoir prétendre à ce permis, vous devez être titulaire d'un CSQ en vigueur au moment de la demande. Donc, c'est-à-dire que vous devez être dans les 2 ans de validité. Vous devez résider à l'extérieur du Québec. Alors, ça peut être une autre province du Canada ou un autre pays. Et vous devez avoir reçu la lettre d'invitation du Québec. Donc ça, c'est un document qui vous est envoyé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Et pour pouvoir recevoir cette lettre, vous devez avoir obtenu votre CSQ soit dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, donc sur Arima en ayant fait une déclaration d'intérêt, soit vous devez avoir obtenu votre CSQ par le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. C'est-à-dire que si vous avez obtenu votre CSQ via le programme d'expérience québécoise, vous ne pouvez malheureusement pas prétendre au permis de travail sous la dispense A76, hein, appelé également PMI+. Donc voilà, c'est malheureusement assez restrictif par rapport au CSQ obtenu.
Je vais maintenant laisser la parole à Maître Barou qui va vous parler du permis de dispense C50 pour les travailleurs au sein d'organismes de bienfaisance. Merci beaucoup, Aurore. Alors, quand on parle d'organismes de bienfaisance, c'est quand même assez large. Ça comprend plusieurs catégories d'organismes à but non lucratif. Alors, bienfaisance, ce n'est pas forcément pour le soulagement de la pauvreté, mais ça peut être aussi pour la promotion de l'éducation, la promotion de la religion, à toute fin qui profite à la collectivité. Ça peut être pour la démocratisation de l'art, l'accès à la lecture. Ça, donc, tout ce qui est organisme à but non lucratif et qui a une utilité dans la collectivité peut être considéré comme organisme de bienfaisance aux fins de la dispense C50. Alors, il faut que le travail soit habituellement, habituellement le travail est à temps plein, puis on conseille à ce que ce soit un travail à temps plein et c'est rémunéré sur une base régulière. Donc, on ne peut pas être bénévole pour, par exemple, une église ou une mosquée ou un temple et prétendre à cette dispense-là. Donc, il faut recevoir une rémunération. Il faut qu'il y ait une intégration au marché du travail. Nous, on recommande à beaucoup de personnes qui aimeraient travailler dans ces organismes-là et prétendre à la dispense C50, c'est de commencer comme bénévole. On a eu des visiteurs qui cherchaient du travail, puis on leur a recommandé de chercher des organismes à but non lucratif, puis de travailler au sein de ces organismes-là à titre bénévole, parce qu'on n'a pas besoin de permis de travail pour être bénévole dans un organisme à but non lucratif. Et ensuite, au moins se faire connaître par les employeurs, par ces organismes-là, et prendre la chance de se voir offrir un emploi au sein de ces organismes-là. Et là, ça peut justifier le permis C50. Donc, c'est un conseil qu'on pourrait donner à certains visiteurs au Canada qui sont en train de chercher du travail, c'est de s'impliquer au sein de ces organismes-là. Alors, les fonctions du travailleur doivent aussi être directement à des biens à des fins de bienfaisance. Le comptable, par exemple, de ces organismes-là ne peut pas être considéré pour le C50. Il faut vraiment qu'il y ait un contact direct auprès des bénéficiaires et il faut apporter aussi un travail de soulagement de la communauté ou dans la collectivité ou de bienfaisance dans la collectivité. Alors, le conjoint d'un détenteur de C50 peut demander un permis de travail ouvert, bien sûr, si le C50 a été donné pour une profession de catégorie 0 A ou B de la classification nationale des professions. Voilà, alors je laisse la parole à Aurore. Alors, je vais maintenant vous parler du permis de travail que vous pouvez obtenir sous la dispense de IMT C10. Alors, qu'est-ce que c'est que le C10? C'est l'avantage important pour le Canada. Donc, lorsque le poste que vous allez occuper dans l'entreprise peut donner un avantage économique, culturel ou n'importe quel autre avantage concurrentiel au Canada, ou alors s'il peut y avoir des avantages réciproques dont peuvent bénéficier les Canadiens et les résidents permanents, vous pourriez bénéficier de ce permis. Donc vraiment, ce permis vise les situations où les avantages sociaux, culturels ou économiques importants que le Canada pourrait tirer en délivrant le permis de travail. Donc ça doit vraiment être clair, convaincant, à tel point qu'il est possible de passer outre l'importance du processus d'étude d'impact sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par avantage important? Ça peut être un soutien à l'économie en général pour le Canada, avec notamment la création d'emplois, un développement régional, de l'exportation, vraiment une entreprise qui va pouvoir se développer à l'international et de ce fait-là faire connaître le Canada, cette partie du Canada outre-Atlantique. Ça peut être également, donc,
dans l'avantage économique, la négociation et la conclusion de transactions commerciales importantes, la stimulation de la croissance économique de régions éloignées, par exemple quand le poste n'est pas pour une grande ville de Montréal, enfin dans une grande ville comme Montréal ou Québec, mais ça va être un emploi dans une un peu plus reculée, mais qui va permettre aussi une croissance de cette région. Si l'emploi que vous allez occuper va pouvoir créer à terme d'autres emplois, ou si dans cet emploi vous allez pouvoir former des Canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites comme Indiens selon la loi sur les Indiens. Voilà, tous ces éléments-là, c'est un avantage important. Et enfin, il y a l'avantage culturel qu'on peut retrouver, notamment si le candidat a reçu des prix nationaux ou internationaux, s'il est membre d'une organisation qui exige l'excellence de ses membres. Ça peut être aussi une personne qui est membre d'un comité d'examen par les pairs ou d'une autorité chargée de juger le travail d'autrui. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont contribué scientifiquement ou de façon universitaire, voilà, qui ont apporté une contribution au domaine d'activité. Le candidat peut avoir également publié des articles dans des revues universitaires ou industrielles, ou alors avoir occupé un rôle de premier plan dans une organisation jouissant d'une excellente réputation. Donc, vous voyez, le permis sous la dispense C10, il peut vraiment avoir, enfin, il couvre un large panel d'avantages, et vous pouvez éventuellement trouver là des arguments à fournir dans la demande de permis. Voilà, donc vraiment, lorsque vous faites une demande de permis de ce type, il faut faire ressortir dans la demande l'avantage que va apporter l'emploi au Canada, donc qu'il soit économique, culturel ou concurrentiel. Je vais maintenant laisser Maître Barou vous parler du C11. Alors, merci Aurore. Mais juste pour revenir au C10, je pourrais donner un exemple qu'on a traité au cabinet. C'est un travailleur qui devait aller au Nunavut, être cuisinier là-bas, mais l'employeur ne pouvait pas se permettre d'attendre les délais de traitement d'une EIMT. Et donc, ça prenait ce cuisinier parce qu'ils sont rares dans le Nunavut, puis que ça permet de nourrir plein de personnes. Et puis, c'est quand même un cuisinier qui a une bonne expérience. Puis, ça a été accepté dans le C10. Donc, à partir du moment où on démontre l'avantage canadien, ben, ça englobe beaucoup de choses, mais il faut juste ne pas être frivole dans sa démarche et qu'il y ait vraiment un avantage. Voilà, maintenant on va passer à la dispense C11, qui est aussi très fréquente pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'options ou qui viennent au Québec vraiment avec l'intention de créer une entreprise, pour lesquelles c'était leur but principal, c'est de créer une entreprise et de l'exploiter. Mais il y en a d'autres qui le font parce qu'il n'y a pas d'autres options pour eux, donc ils envisagent la création d'une entreprise. Alors, il y a deux volets pour cette dispense. Il y a le volet des demandeurs qui souhaitent seulement obtenir la résidence temporaire et celui des demandeurs qui envisagent demander une résidence permanente. Nous, on recommande toujours de commencer par ce premier volet, le volet des demandeurs qui souhaitent seulement obtenir la résidence temporaire, parce que le permis de travail est quand même délivré assez rapidement et ça n'empêche pas par la suite de créer l'entreprise, de faire une demande de résidence permanente et ensuite de demander le C11 pour les personnes qui veulent avoir la résidence permanente. Mais on n'a pas beaucoup de choix pour les volets, pour les programmes de résidence permanente, on va le voir un peu plus tard. Alors, je dirais que le plus fréquent, celui dans lequel on intervient le plus souvent, c'est pour les demandeurs souhaitant seulement obtenir la résidence temporaire. Alors, il y a quand même des exigences. Il faut un plan d'affaires,
Il faut démontrer qu'on a la capacité financière suffisante pour créer l'entreprise et pour l'exploiter. Alors, cette capacité varie, bien sûr, en fonction de, en fonction du plan d'affaires et en fonction du projet. L'entreprise envisagée doit être évaluée comme viable. Donc, le plan, ça ne doit pas être un plan d'affaires frivole, mais il faut vraiment que ça soit une démarche sérieuse. Il faut que le travailleur ait les compétences ou l'expérience dans l'activité envisagée à démontrer. Il faut démontrer aussi un avantage pour le Canada et cet avantage peut être soit la création d'emplois, soit une innovation technologique ou un établissement en région. Et celui qui demande le C11 doit démontrer qu'il contrôle au moins 50% de l'entreprise ou qu'il va contrôler, une fois qu'elle va être créée, au moins 50% de l'entreprise. Alors, il y a... je m'excuse, j'ai un peu perdu. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent obtenir la résidence permanente, donc, on peut appliquer dans ce volet que... si on a déjà obtenu un CSQ, mais pas dans n'importe quelle catégorie, il faut avoir obtenu un CSQ dans la catégorie des entrepreneurs ou travailleurs autonomes pour les candidats du Québec et avoir obtenu une lettre d'entrée active émise par le MIFI, donc quelqu'un qui a fait une demande de résidence permanente, de CSQ dans une de ces catégories entrepreneurs ou travailleurs autonomes, recevra une lettre du MIFI qui l'invite à demander le permis de travail C11. Ou bien, si on a fait une demande d'immigration en dehors du Québec, il faut avoir reçu, une désignation par une province et détenir une lettre d'appui. Quand on a reçu cette désignation, normalement, la province nous envoie une lettre d'appui pour qu'on puisse faire la demande de permis C11. Alors, il y a un petit bémol à ce volet-là pour ceux qui veulent la résidence permanente. Les délais de traitement d'une demande de résidence permanente dans cette catégorie sont de 6 ans. Donc, si on envisage cette catégorie, il faut y penser parce que ça prend énormément de temps pour avoir la résidence permanente. Alors, il y a aussi la fameuse mobilité francophone, la dispense C16. Donc, ça a été créé en 2016 pour encourager les immigrants francophones à s'établir hors du Québec. C'est un permis qui est vraiment facile et rapide à obtenir. Les seuls critères, c'est d'avoir un emploi dans une province autre que le Québec. Et il faut que cet emploi soit de catégorie 0 A ou B de la CNP. Donc, il faut que ça soit un emploi qualifié. Il faut bien sûr qualifié pour occuper ce poste. Donc, il faut respecter les conditions d'accès à cette profession et avoir le français comme langue d'usage. Pour les Français, c'est évident qu'ils sont francophones, donc on ne leur demandera pas de démontrer leur connaissance du français. Mais nous, on recommande à des personnes qui ne peuvent pas le démontrer juste avec des documents, de démontrer qu'ils sont français. Nous, on recommande fortement de passer le TEF ou le TCF et d'avoir au moins un niveau B2, c'est-à-dire un niveau 7 sur 12 pour pouvoir... d'abord éviter un refus discrétionnaire de l'agent qui invoquerait le manque de connaissances du français, mais aussi pour éviter qu'il y ait une entrevue, puis pour que ça soit plus facile d'accéder à ce permis-là. Alors, la durée émise est à la discrétion de l'agent, mais ce qu'on constate, c'est que ça dépasse rarement 2 ans. À moins que, bien sûr, le passeport expire avant. Le conjoint d'un détenteur de C16 peut demander aussi un permis de travail ouvert. Alors, que pour n'importe quelle dispense, il est possible de demander une opinion auprès de l'UMIT. Alors, quand est-ce que c'est vraiment pertinent de faire cette demande? C'est si on se trouve à l'étranger et que...
on a peur d'être refoulé, on n'est pas sûr de que la dispense va être approuvée. Si c'est une mobilité francophone et que vous avez passé le test de français ou que c'est évident que vous êtes francophone et que votre emploi est qualifié, pour un jeune professionnel, pour un PVT, il n'y a pas vraiment besoin de demander un avis à l'UMIT, mais il y a des dispenses où la discrétion de l'agent est souvent appliquée et on ne veut pas dépendre de cette discrétion de l'agent, on veut être sûr qu'on a toutes nos chances d'être accepté au Canada. Donc, vous avez deux options, soit faire votre demande de permis de travail en ligne et d'avoir la lettre d'introduction avant d'arriver au Canada, mais si vous voulez demander le permis de travail au point d'entrée, on recommande quand même de faire une demande d'opinion auprès de l'UMIT. Alors, le rôle de l'UMIT, c'est de donner une opinion sur la question de savoir si l'employeur et le travailleur étranger temporaire sont dispensés de l'obligation d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail ou un permis de travail. Par exemple, quelqu'un qui viendrait effectuer un stage et il ne sait pas s'il a besoin d'un permis ou s'il est dispensé de permis parce qu'il y a des stagiaires qui n'ont pas besoin de permis. Donc, ça serait très pertinent de demander l'opinion de l'UMIT. Les conditions d'accès à l'UMIT, alors il faut résider à l'extérieur du Canada. Quelqu'un qui a déjà un permis de travail au Canada et qui se trouve au Canada ne peut pas demander un avis à l'UMIT. Et l'autre condition, c'est d'être ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa. Donc, tous ceux qui viennent de pays pour lesquels il faut une AVE peuvent demander l'avis de l'UMIT. Toutefois, ceux qui ont besoin d'un visa ne peuvent pas demander l'avis de l'UMIT. Les délais de traitement sont très rapides, c'est 2 semaines, mais nous, on en a eu en 3 jours. Dans certaines situations, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Et l'UMIT demande à ce qu'on ait recours à elle au minimum 30 jours avant l'arrivée prévue au Canada. Et la demande doit être faite par courriel à l'adresse que vous avez sur la présentation. Donc, si par exemple, vous avez l'intention de demander un C10, avantage important pour le Canada, que vous venez en famille, que vous allez déménager, démissionner, on vous recommande fortement de demander d'abord un avis à l'UMIT avant de vous déplacer et de dépenser pour le voyage avant d'arriver au Canada. Alors, je laisse la parole à Aurore. Alors, juste pour rebondir sur ce que Maître Barou a dit tout à l'heure, nous avons présenté une demande d'opinion à l'UMIT pour un client dans le cadre d'une demande de permis de travail C10. C'était une demande urgente qui a été traitée en 2 jours. L'UMIT a émis une lettre d'avis favorable, tout simplement. Et puis, donc, ensuite, le client s'est présenté à son arrivée au Canada, à l'aéroport, avec la lettre d'approbation de l'UMIT et puis tous les documents nécessaires à sa demande de permis de travail qui a été donc approuvée donc, à son arrivée au Canada. Alors, attention toutefois, hein, la lettre de l'UMIT, quand il vous donne un avis favorable, ça reste un avis. C'est toujours l'agent qui prend après la décision lorsque vous arrivez au Canada. Mais voilà, c'est quand même un bon indicatif. En général, l'avis de l'UMIT est plutôt respecté. Donc, pour l'intervention de l'employeur, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les permis de travail ouverts, l'employeur n'a pas besoin d'intervenir. En effet, il n'y a pas d'offre d'emploi qui est requise. Donc, vous n'avez pas besoin d'un employeur pour obtenir le permis de travail ouvert. En revanche, pour les permis spécifiques, aussi appelés fermés, l'employeur doit compléter le questionnaire d'offre d'emploi sur le portail des employeurs d'IRCC. Donc, on vous a mis le lien du portail sur la présentation. Donc, voilà, l'employeur va tout simplement soumettre l'offre d'emploi, renseigner toutes les informations. Et à la fin de la soumission, il va régler les frais de conformité, les frais relatifs à la conformité de l'employeur qui sont un montant de 230 $. L'employeur va alors transmettre ce reçu de paiement au candidat.
Il va également transmettre au candidat le numéro d'offre d'emploi qui sera généré à la fin de la soumission. Ce numéro d'offre d'emploi, il commence par la lettre A et il est suivi de 7 chiffres. Enfin, l'employeur devra fournir une confirmation d'offre d'emploi ou une confirmation de poursuite d'emploi au candidat. Donc, qu'est-ce que c'est que cette confirmation d'emploi? C'est tout simplement une lettre qui indique que vous allez travailler au sein de l'entreprise en qualité, enfin voilà, vous mettez l'intitulé du poste, vous allez également donner comme information le nombre d'heures de travail par semaine, le salaire, vous allez mettre la liste de vos tâches. Et donc, ce document doit être signé de façon manuscrite par l'employeur. Donc, voilà, vraiment, 4 choses pour l'employeur dans le cadre des permis de travail fermés. Soumettre l'offre d'emploi sur le portail des employeurs des RCC. Transmettre le reçu de paiement des frais relatifs à la conformité de l'employeur au candidat. Transmettre également au candidat le numéro d'offre d'emploi. Et fournir au candidat une confirmation d'offre d'emploi ou de poursuite d'emploi si le candidat est déjà en poste. Donc, au niveau du portail des employeurs, il y aura 4 catégories qui seront à compléter. Tout d'abord, des renseignements généraux sur l'entreprise, avec notamment le numéro ARC de mémoire. Il va également avoir les coordonnées de l'entreprise, qui sera la personne ressource, les coordonnées de cette personne. Vous allez ensuite renseigner, l'employeur devra ensuite renseigner les informations du travailleur étranger. Nom, prénom, date de naissance, pays de résidence, information du passeport. Ensuite, ce sera les détails sur l'emploi. Donc là, vraiment, ce sera vraiment détaillé. Il va falloir fournir notamment l'intitulé du poste, le code CNP, le nombre d'heures de travail par semaine, le salaire, la liste des tâches, etc. Donc, c'est vraiment très détaillé. Et puis, nous, on vous conseille aussi de mettre le maximum de détails possible. Et puis, notamment au niveau du salaire, si des augmentations sont prévues par la suite. Et puis enfin, la dernière partie, ce sont le salaire et les avantages sociaux. Donc voilà, au niveau des avantages sociaux, ça va être tout ce qui est congé, congé maladie, assurance, voilà, tout type d'avantages dont peut bénéficier le salarié durant l'emploi. Alors, au niveau du portail des employeurs d'IRCC, il existe des pages qui sont vraiment dédiées à ce portail et qui comprennent des guides détaillés déjà dans un premier temps pour créer le compte de l'entreprise sur le portail des employeurs, mais également pour soumettre l'offre d'emploi. Donc, vous avez vraiment les deux liens qui sont sur la page. Donc, le guide pour l'inscription et le guide pour soumettre l'offre d'emploi. Les conseils qu'on peut vous donner, qu'on peut donner plutôt à l'employeur, c'est tout d'abord d'imprimer ou de faire une capture écran du reçu de paiement dès qu'il s'affiche à l'écran. En effet, une fois que l'employeur, lors de la soumission de l'employeur, de l'offre d'emploi sur le portail des employeurs, l'employeur va renseigner tous les champs, il va procéder à la soumission et procéder au règlement des frais relatifs à la conformité de l'employeur. Une fois que le paiement est approuvé, donc voilà, il y aura une page qui va indiquer que le paiement est approuvé et ça, il faut absolument l'imprimer ou faire une impression écran. Tout simplement parce qu'une fois que l'offre d'emploi sera soumise, l'employeur n'aura plus accès à ce reçu de paiement alors que ce reçu de paiement est à fournir dans la demande de permis de travail. Donc, c'est vraiment important d'en garder une trace. La deuxième chose, c'est que les tâches et exigences d'accès à l'emploi doivent être en adéquation avec celles de la CNP du poste offert. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un poste d'adjoint administratif qui correspond à la CNP 1241, il faut vraiment que les tâches de votre poste correspondent à celles de la CNP, sinon votre permis de travail pourrait ne pas être approuvé. Au niveau de l'offre d'emploi, elle doit être la plus précise possible. Si vous faites du télétravail, il faut que ce soit indiqué. Si vous allez travailler dans différents lieux, par exemple dans 2 succursales, les adresses doivent être données. Si vous faites des horaires variables, ce doit être indiqué. Si vous avez la possibilité d'avoir une augmentation par la suite, il vaut mieux également l'indiquer. Les avantages sociaux doivent être également renseignés.
tout ce qui est bonus, pareil. Donc voilà, vraiment détailler le maximum. Et puis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, si vous avez aussi, par exemple, une augmentation de votre salaire, il va falloir aviser IRCC. En effet, vous devez aviser IRCC de tout changement aux conditions d'emploi. Et si ces changements sont trop significatifs, il se pourrait que l'employeur doive soumettre une nouvelle offre d'emploi. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les conseils qu'on vous donne par rapport à l'offre d'emploi pour que ce soit pour ne pas avoir de soucis par la suite lors de la demande de permis de travail et puis en cas d'inspection de l'entreprise, par exemple, par la suite. Alors, je vais maintenant vous parler donc du permis de travail ouvert qui vient d'être mis en place pour les anciens détenteurs de permis de travail post-diplôme. Donc, c'est tout récent, ça a été annoncé, alors on l'attendait depuis plusieurs semaines, ça a été annoncé officiellement hier. Donc, ce permis de travail ouvert, il est entré en vigueur hier, le 2 août 2022. Il est d'une durée de 18 mois. Donc, soit vous pouvez prolonger votre permis de travail post-diplôme, soit demander un nouveau permis de travail. Sachez qu'il est possible de travailler en attendant la prorogation du permis ou la délivrance du nouveau permis. Si votre permis a expiré il y a moins de 90 jours, vous pouvez prétendre au rétablissement de statut. Et enfin, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce permis, c'est pour les étudiants dont le permis de travail post-diplôme expire ou a expiré entre le 20 septembre 2021 et le 31 décembre 2022. Pardon, excusez-moi pour la coquille sur le PowerPoint, hein, c'est bien 2022. Donc voilà, si votre permis a expiré entre le 20 septembre 2021 ou qu'il va expirer d'ici le 31 décembre 2022, vous pourriez être éligible à ce permis de travail ouvert. On vous a mis le lien avec toutes les informations sur ce permis de travail, donc sur la présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon votre situation, la marche à suivre va être différente. Si votre permis de travail post-diplôme expire entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, que votre passeport est valide jusqu'au 24 avril 2024 et que votre adresse reste inchangée, que vous n'avez pas changé d'adresse, vous allez recevoir un courriel d'IRCC. A priori, vous n'aurez pas à y répondre. Et votre permis de travail à jour vous sera envoyé à votre adresse postale d'ici la mi-octobre. Pour les personnes dont le permis de travail post-diplôme expirera entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, que votre adresse a été modifiée, donc que vous avez changé d'adresse, ou que votre passeport expire avant le 24 avril 2024, deux situations. Soit vous avez déménagé, votre adresse a été modifiée, vous allez recevoir un courriel d'IRCC et là, il faudra suivre les instructions de ce courriel. En revanche, si votre passeport expire avant le 24 avril 2024, vous n'allez pas recevoir le premier courriel. En revanche, vous recevrez un deuxième, donc le courriel officiel en septembre et vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Si votre permis de travail post-diplôme expire entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 et que vous n'avez pas la possibilité de mettre votre adresse à jour ou d'obtenir un nouveau passeport dans les temps, vous pourrez alors présenter une demande de permis de travail ouvert en ligne, donc pour proroger votre permis de travail. Si votre permis de travail post-diplôme expire entre le 2 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 et que vous ne recevez pas de courriel de la part d'IRCC, c'est que, selon IRCC, vous n'êtes pas admissible à ce permis de travail ouvert. Toutefois, si vous avez vérifié et que vous répondez à toutes les conditions, vous pouvez quand même présenter une demande de permis de travail ouvert en ligne, selon cette politique d'intérêt public. Et enfin, pour les personnes dont le permis de travail post-diplôme expire entre le 20 septembre 2021 et le 1er octobre 2022, vous devez impérativement présenter une demande en ligne à partir donc, du 2 août 2022. Vous ne recevrez pas de courriel de la part d'IRCC.
Donc voilà, toutes ces conditions, tous ces détails, vous pourrez les retrouver sur le lien que vous a mis PVTiste dans le chat. Vraiment, tout est très bien expliqué selon chaque situation. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Barou qui va vous parler des obligations des employeurs envers les travailleurs étrangers temporaires. Merci Aurore. Alors, on va d'abord voir quelles sont les obligations des employeurs pour tout type de permis, qu'il soit ouvert ou fermé ou sans EIMT, avec EIMT. Alors, tout employeur doit respecter les normes du travail et les autres lois applicables comme pour tout autre travailleur. Donc, respecter les normes du travail, respecter la loi sur le travail. Donc, s'assurer aussi que l'employé est en tout temps autorisé à travailler, qu'il a un permis de travail en cours de validité ou qu'il a une demande de renouvellement qui est en cours de traitement et qui a été soumise avant l'expiration. Donc, que le travailleur est en statut implicite. Alors, si vous êtes en statut implicite, ne quittez surtout pas le Canada, sinon vous perdez le bénéfice du statut implicite. Aussi, il faut savoir que le fait d'avoir présenté une demande de IMT ou une demande de CSQ ou une demande de résidence permanente ne donne pas de statut implicite et n'autorise aucunement à travailler sans permis. Donc, il faut avoir un permis ou être en attente d'un permis pour pouvoir continuer à travailler. Je ne vois plus. Parfait. Alors, il y a des obligations qui sont spécifiques au permis de travail fermé. Donc, ce sont des obligations de conformité. Quand il y a permis fermé, ça veut dire que l'employeur soit a présenté une demande de IMT, soit il a présenté une offre d'emploi sur le portail de l'employeur et qu'il a indiqué, il a précisé quelles étaient les conditions de travail. Donc, il s'est engagé en appuyant le travailleur pour un permis fermé. Il s'est engagé à être conforme à ce qui a été indiqué dans l'offre d'emploi. Alors, bien sûr, en plus de respecter les lois fédérales et provinciales régissant l'embauche et le travail dans la province, il faut offrir aux travailleurs le même emploi, au même salaire et aux mêmes conditions que ceux prévus dans l'offre d'emploi et conserver tous les documents pouvant le démontrer pendant 6 ans. Donc, comme l'a dit Aurore précédemment, il faut vraiment être le plus précis possible et prévoir les éventualités autant que possible quand l'employeur présente l'offre d'emploi pour continuer à être conforme. Donc, si vous prévoyez une augmentation de salaire, ben, indiquez-le dans l'offre, que l'employeur l'indique dans l'offre d'emploi et qu'il indique une fourchette pour se laisser de la latitude pour changer le salaire comme il veut. Alors, il y a juste une chose à laquelle on ne peut pas déroger, c'est le code CNP. Donc, si vous avez embauché ou si l'employeur a embauché un travailleur selon un code CNP, il ne peut pas le faire travailler dans un autre code CNP sans présenter une nouvelle offre d'emploi. Alors, pour les postes à bas salaire, donc pour les postes qui sont inférieurs à 25 $ de l'heure, l'employeur a une obligation en matière de frais de transport, de logement et de couverture d'assurance maladie. L'employeur doit faire des efforts raisonnables aussi pour offrir un milieu de travail exempt de violence et il doit pouvoir démontrer la véracité des informations fournies dans l'offre ou dans les documents joints à la demande de permis au cas où il y a une enquête de conformité. Et s'il y a cette inspection de conformité, l'employeur doit collaborer avec les autorités et fournir les documents et l'information qui sont demandés pendant l'inspection. C'est une obligation. Alors, il peut y avoir une inspection de conformité dans les 6 ans qui suivent le début de l'emploi en permis fermé. Si l'employeur n'a pas été conforme à ce qui a été
promis dans l'offre d'emploi, ben, il peut y avoir des pénalités monétaires et même se retrouver dans une liste de, dans une liste noire qu'on appelle liste noire sur le site d'IRCC. Donc, il ne pourra plus avoir faire appel à des travailleurs étrangers. Alors, il est possible de faire une divulgation volontaire si l'employeur constate qu'il n'a pas été conforme. Bien sûr, avant qu'une enquête soit déclenchée, il peut faire une divulgation volontaire et corriger la situation. Voilà, on a terminé la présentation. Donc, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations. Et puis maintenant, on va commencer à prendre vos questions. Si je vous remets mon temps, c'est mieux. Pardon. Effectivement, j'ai quelques petites choses à vous préciser avant de prendre les premières questions que j'ai notées. Alors, tout d'abord, je vous précise que dans la foulée de ce live, je vais aller le mettre sur YouTube. Il devait avoir lieu en même temps sur YouTube, mais il y a eu un petit souci technique qui fait que ça s'est uniquement diffusé sur Facebook, mais c'est là que vous êtes le plus nombreux de toute façon. Donc, je vais aller le mettre sur YouTube dans la foulée et je mettrai tous les liens qui ont été évoqués et qui sont dans le PowerPoint. Comme ça, vous aurez tout disponible sous les yeux. Et ensuite, je reviendrai sur Facebook et je vous ajouterai le lien dans la publication de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme ça, vous aurez vraiment tous les liens. Deuxième chose, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je le disais en introduction, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Là, on a parlé des permis de travail qui ne nécessitent pas d'études d'impact sur le marché du travail, mais il y a quelques semaines, on a fait un autre live sur les permis pour lesquels il faut une étude d'impact sur le marché du travail. Il y a eu plusieurs questions sur quel permis s'adapte le mieux à moi. Je pense que ça vaut le coup de regarder peut-être le replay du live d'aujourd'hui si vous n'avez pas tout vu, mais aussi le replay de l'autre qu'on vous a mis tout à l'heure en commentaire de la vidéo, mais que je vous remettrai en dessous sur le replay sur notre chaîne YouTube PVTiste, parce que il y a quand même beaucoup d'options, donc c'est à vous de voir un petit peu ce qui peut mieux le correspondre à votre cas. Pour ceux qui ont vraiment des questions précises pour leur cas de figure, en fonction de leur domaine, de leur diplôme, de leurs problématiques diverses et variées, je ne l'ai pas dit en introduction et c'était une erreur de ma part, vous savez que vous pouvez aussi faire appel au service du cabinet Nadia Barou pour avoir une consultation qui va vous permettre de faire un petit peu l'état des lieux en fonction de votre profil. Et ensuite, vous pourrez faire vos démarches par vous-même, mais vous aurez vu un petit peu quelle est la meilleure solution pour vous. On vous a mis tout à l'heure en lien de la vidéo sur YouTube et c'est épinglé normalement un lien qui vous permet sur pvtiste.net de bénéficier d'une réduction sur les services du cabinet Nadia Barou. Et je pense vraiment que pour beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu perdus dans tous les permis qui existent, ça peut être intéressant de faire un point. Voilà, d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, maintenant on va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à en poser en commentaire, mais sachez aussi que j'en ai noté déjà pas mal et qu'on va commencer par celle-ci. Donc, hop, je mets ça comme ça et je prends la première question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un permis de travail sans EIMT pour un emploi à mi-temps? Oui, tout à fait. Alors, la plupart des permis fermés peuvent être faits à mi-temps. Par exemple, A75, le C16... peuvent être faits à mi-temps. Il y en a d'autres où ce n'est pas indiqué que ça doit être à temps plein, mais on peut difficilement demander, par exemple, un C10, avantage canadien, et puis être à temps partiel. Alors, il y a pour certains permis où on va recommander d'être à temps plein ou au moins de se rapprocher du temps plein pour que ça soit jugé pertinent. Très bien. Merci. Est-ce qu'un contrat de travail qui n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact sur le marché du travail ajoute des points dans le profil entrée express? Ben, toute l'expérience de travail ajoute des points. Maintenant, le contrat de travail, ben, non, juste le contrat, non. Il faut vraiment l'expérience ou il faut avoir, pour certains programmes de certaines provinces, je ne peux pas vous dire comme ça juste de mémoire, mais pour certains, ils demandent d'avoir une offre d'emploi avec EIMT. Ça peut rajouter des points et ça peut même accélérer les invitations. Mais je ne peux pas comme ça vous dire quel programme. Très bien.
Pour les questions en lien avec la résidence permanente, surtout ceux qui sont au Québec, notez qu'on a le replay d'un live que j'ai mis en lien tout à l'heure à quelqu'un, mais je le remettrai aussi dans le replay de cette vidéo-là, qui parle du passage de statut de résident temporaire à permanent au Québec. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, les questions sur les CSQ trouveront réponse. On a plusieurs questions sur les pays d'Afrique. Est-ce qu'on a une chance, quand on vient d'un pays d'Afrique, d'obtenir un permis de travail avec une dispense de IMT? Oui, la mobilité francophone, par exemple, donc elle est très utilisée, la mobilité francophone, et vous pouvez vous référer au site de Destination Canada. Destination Canada organise des missions de recrutement, plusieurs missions de recrutement virtuelles ou en personne dans beaucoup de pays d'Afrique, et ça fonctionne très bien. Donc si c'est un emploi en dehors du Québec, un emploi qualifié, alors la mobilité francophone, ça marche très bien. Pour les universitaires qui viennent faire un post-doctorat ou un travail de recherche, ça fonctionne aussi assez bien. Puis si vous avez une offre d'emploi qui est cohérente, quoi, qui est crédible, et que vous avez les compétences pour exercer cet emploi et que vous avez les compétences et l'expérience, ça marche très bien. Alors, je ferai juste une parenthèse pour l'expérience de travail. Il faut la démontrer. Donc, pour les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, les pays de certains autres pays d'Amérique latine et puis d'Asie, il faut prouver que cette expérience de travail a été légale. Donc, si vous apportez juste une attestation de travail, ça ne fonctionnera pas. Il faut apporter l'attestation de travail et la preuve que vous avez cotisé au régime d'assurance sociale ou maladie. Il faut une preuve officielle pour que cette expérience soit tenue en compte. Alors, ce n'est pas au niveau de l'EIMT ou au niveau de l'employeur que ça va poser problème, c'est au niveau de la demande de permis. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous demandez votre permis, vous allez avoir une entrevue et c'est au cours de cette entrevue, ou même on va vous demander des documents additionnels pour prouver la légalité de votre travail. Si vous êtes au Canada, moi, je n'ai pas vu de demande de preuve de légalité. Donc, si vous venez comme touriste et que vous faites votre demande de permis de travail à partir du Canada, ce qui est possible jusqu'au 28 février 2023, espérons que ça va être prolongé. À ce moment-là, le processus est beaucoup plus simple et on va vous croire sur parole si vous présentez une offre d'emploi. Bien sûr, ça peut toujours être vérifié, puis vraiment, je vous recommande de ne jamais, jamais faire de fausses déclarations ou de mentir, parce que tout se pardonne en immigration, sauf une fausse déclaration. Voilà. C'est bien résumé, merci beaucoup. Aurore, tu J'ajouterai au niveau des preuves de l'emploi, vous pouvez également Oui. ajouter les relevés de salaire et les déclarations d'impôts. C'est aussi une preuve que c'est un revenu officiel. Donc, ça vient toujours appuyer votre demande. Et surtout, si on parle notamment de la mobilité francophone, si vous n'êtes pas sûr de vos preuves de français, n'hésitez pas à passer un test de français parce que ça sera vraiment un document irréfutable de votre connaissance du français dans le cadre de votre demande de Très permis bien, de travail. merci beaucoup. Concernant le Ce que je recommanderais aussi, si c'est possible, de demander d'abord un visa touriste avant d'envisager un permis de travail, c'est mieux d'avoir le visa touriste. Parce que si on a un refus de permis de travail, je parle des pays d'Afrique et du Moyen-Orient et puis de certains pays d'Asie, ben après, ça peut compromettre une demande de visa touriste. L'inverse, non, vous pouvez demander un visa touriste, s'il est refusé, ben vous pouvez toujours faire une demande de permis de travail, mais l'inverse, c'est plus difficile. Tout à fait. Concernant le A75, si la personne a obtenu son CSQ avant la réforme du PEC et donc pas de profession indiquée précise, est-ce que c'est possible? Non, s'il n'y a pas de profession indiquée sur le CSQ. Je pense que c'est plutôt que ça rentre peut-être pas dans les professions qui permettent l'accès au PEC. Je crois avoir compris la question comme ça, parce que pas de profession indiquée, je pense que c'est pas possible.
Alors, c'est possible dans certaines circonstances qu'il n'y ait pas de profession indiquée sur le CSQ. Peut-être Tu me diplômé. corrigeras, Nadia, mais notamment pour les conjoints Alors, et puis pour pour les le PEC conjoints, ça diplômé. règle le problème. Donc, Donc. avant, on ne savait pas si le A75 pouvait être demandé par le conjoint, mais là, on en déduit que non, ce n'est plus possible. Alors, pour le diplômé, je ne sais pas comment IRCC va réagir. Est-ce qu'il va se fier au diplôme, au domaine de formation qui a eu lieu? Donc, ça, on ne sait pas comment ça va réagir. Alors, on a eu pendant 15 minutes une fausse joie parce que il y a la semaine dernière, on avait enlevé justement cette exigence que le code de CNP soit le même que celui sur le CSQ. Il y a eu des pressions des avocats qui ont fait qu'IRCC avait fait marche arrière, mais ça n'a duré que 15 minutes. L'exigence a été remise parce que le MIFI l'a exigé. Donc là, il n'y a plus de doute. Il y a eu un moment où on pensait que c'était vraiment une erreur d'IRCC d'avoir mis cette restriction-là, mais là, on a eu la confirmation que c'était quelque chose qui est là pour exister puis pour durer. Voilà. D'accord. C'est une question qui sort un petit peu du permis de travail, mais ça peut intéresser ceux qui partiraient avec des enfants. Quel est, par exemple, le statut des enfants d'une personne qui travaille à titre de bénévole dans un organisme? Alors, il n'y a pas. Il y a pas de statut, donc ils sont visiteurs, c'est tout, sauf les travailleurs religieux. Alors, un imam, un prêtre, un rabbin qui viennent ici, ils ne sont pas obligés d'avoir le C50. Ils peuvent le demander, mais ils ne sont pas obligés. Si ils ont une fiche visiteur qui leur permet de travailler sans permis, à ce moment-là, l'épouse peut demander un permis de travail ouvert et les enfants vont être considérés comme étant les enfants de quelqu'un qui a un permis de travail. Très bien. Quel que soit le permis que vous avez évoqué ce soir, est-ce qu'il existe une limite d'âge? Vas-y, je te laisse, Aurore. A priori, il n'y a pas de limite d'âge, sauf pour le programme EIC, où c'est jusqu'à 36 ans révolus. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes encore dans votre 35e année, vous pouvez toujours vous inscrire dans le bassin. Et par contre, une fois que vous avez atteint les 36 ans, là, ce ne sera plus possible, malheureusement. Alors ça, c'est pour les Français. Les Belges, c'est Pour le français. 31 ans. Quand Oui. vous avez 31 ans, c'est fini. Pour le C'est vrai. télétravail. Ouais. Le mieux, c'est Tout à vraiment fait. d'aller voir je pense que Julie, sur le site PVTIS, tu dois avoir aussi l'information, mais sinon sur le site d'IRCC, où vous aurez, selon les pays, aussi les limites d'âge. Exactement. Et d'ailleurs, en sortie de IC, du coup, bon, j'imagine que si on a 80 ans, c'est peut-être plus compliqué, mais sinon, en soi, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, si Il n'y a pas on. de limite d'âge pour les permis. Puis, je ne sais pas, 80 ans, mais on en a eu à plus de 70 ans qui avaient une expertise. Et puis alors, c'est sûr, on ne va pas le mettre dans un travail qui nécessite une force physique que devoir avoir un jeune. Mais sinon, il n'y a pas de limite pour l'âge. On nous demande si le C11, c'est pour tout le Canada ou juste le Québec. Pour tout le Canada. Très bien. Alors, je peux donner un exemple de ces 11 qu'on a fait. Et on a eu quelqu'un qui cherchait des gaufres belges à Montréal et qui n'en trouvait pas et qui a décidé de créer une entreprise pour fabriquer des gaufres belges. Eh ben, il était venu juste en touriste puis chercher des gaufres, il n'en a pas trouvé. Puis il a eu l'idée de démarrer son entreprise qui fonctionne très bien et avec un C11. C'est marrant parce qu'on a eu la même histoire d'un PVTiste, donc qui a eu son PVT pour la Nouvelle-Zélande et c'est devenu une petite star dans une petite ville de Nouvelle-Zélande, ce qui vend ses gaufres belges. Ah Comme quoi, c'est oui, le patrimoine c'est culinaire belge. ça. Ouais, c'est top. Et justement, on a une question d'une personne qui est belge qui nous dit si un Belge veut faire un stage internat 1600 heures plus cours de déontologie d'équivalence pour avoir le titre de psychologue qui est fort recherché, il se demande si c'est une exemption C10. Et en gros, sa question, c'est au Québec, est-ce qu'on doit avoir un permis de travail plus un permis d'études partielles pour son cas de figure? Ben, vraiment, je connais pas sa situation, mais s'il doit faire des études, Oui. alors il peut avoir un permis, il doit avoir un permis d'études si ce sont des études de plus de 6 mois, et il peut demander un stage coop. Donc,
coopérative pour les étudiants, pas le stage coop EIC, le stage coop pour étudier ici, et il peut travailler à temps plein pendant son stage. D'accord, parce que c'est un stage internat en, en psychologie, donc il n'y a pas vraiment l'exemption CEDIS, hein, c'est ça ? Pas CEDIS, mais C20 pourrait être demandé si, s'il peut démontrer qu'un Québécois qui va, ou un Canadien qui va en Belgique aura les mêmes, pourra aussi devenir psychologue en suivant certaines conditions. Ça, on pourrait, on a fait des C20 pour des Belges et ça a bien fonctionné. Super. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un du Cameroun qui nous demande, mais sa question n'est peut-être pas que liée au fait de venir du Cameroun, si c'est possible d'avoir des précisions sur les délais de traitement pour le C16 et aussi les procédures pour le C16. Alors, je peux regarder les délais de traitement pour les permis de travail. Nadia, je te laisse répondre pour le reste peut-être. Alors, pour le C16, si la personne est au Cameroun et qu'elle a déjà un visa touriste, et c'est pour ça on recommande le visa touriste, ben, la personne peut venir comme touriste et demander son C16 après en faisant le tour du poteau, ou bien le demander en ligne. Et en ce moment, demander en ligne un permis, c'est 4 à 5 mois pour l'avoir. Il peut aussi demander son permis à partir du Cameroun. Et là, je ne connais pas les délais. C'est ce que tu es en train de vérifier ? Oui, 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 oui. J'y arrive, mais le site est un peu long comme d'habitude. Voilà. D'accord, et de façon générale, on nous a demandé, en fait, on commence par quoi ? Là, j'ai entendu un permis qui m'intéresse dans tout ce que vous avez dit. Je vais sur quel site ? Le site officiel, là, c'est la question qui est posée. Mais voilà, je sens qu'il y a un petit peu, genre, je commence par quoi ? Alors, moi, je dirais d'abord voir la liste qu'on vous a mis, la liste des dispenses, et voir les titres, est-ce que ça vous correspond ? Vous pouvez aller voir les détails. Mais ce que je recommande avant tout, c'est de si vous avez le temps, bien sûr, c'est de préparer votre situation pour avoir un visa touriste si vous venez d'un pays où c'est nécessaire d'avoir un visa. Ça, c'est vraiment ce qu'on recommande pour que même après, si vous avez votre permis, que la famille puisse venir avec vous. Donc, c'est tout, ça facilite les choses. C'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un visa touriste. Il faut avoir une bonne situation et avoir un bon profil socio-économique pour demander un visa et pour se le faire approuver. Si la personne est dans un pays où il n'y a pas besoin de visa, alors à part EIC, le permis peut se demander au point d'entrée. La plupart des permis peuvent se demander au point d'entrée, et je recommanderais de demander l'avis de l'UMIT avant de venir. Voilà. Mais quand vous arrivez au point d'entrée ou si vous demandez l'avis de l'UMIT, il faut vraiment envoyer tous les éléments qui vont aider l'UMIT ou l'agent au point d'entrée à déterminer que vous êtes vraiment admissible à la dispense que vous invoquez. Par exemple, vous avez un C50, vous vous demandez un C50 pour un organisme communautaire, donc ayez tous les documents qui prouvent que l'organisme répond aux critères, des articles de journaux qui parlent de cet organisme, sur ses réalisations, le site web de l'organisme, et vous, votre CV, qu'est-ce qui fait que vous pourrez travailler dans cet organisme ? Est-ce que vous avez déjà une expérience dans le domaine communautaire ? Donc, vraiment, documentez votre demande quand vous demandez une exemption de IMT. Et ça peut être plus difficile dans un cas ou par rapport à un autre cas. Comme je dis, le C16, c'est assez simple. Si vous le demandez au point d'entrée, l'agent va vérifier si c'est un emploi qualifié. Si vous êtes qualifié pour cet emploi, il va vous parler pour voir si vous parlez français. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment simple. Je pense que c'est le permis le plus simple à obtenir, c'est la mobilité francophone. C'est ça. Donc, effectivement, je rappelle que les Français et les Belges font partie de ceux qui n'ont pas besoin de visa pour aller au Canada. C'est pour ça qu'on parle toujours de permis de travail. Donc, eux peuvent le demander au point d'entrée en arrivant au Canada, en ayant bien tous les documents. Et puis, d'autres pays, il ne faut pas hésiter à vérifier sur le site canada.ca. Il y a normalement une page qui s'appelle « Vérifier si j'ai besoin d'un visa ». Quelque chose comme ça, c'est un bon test à faire. Excuse-moi, Aurore, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, juste les délais de traitement des permis de travail, des demandes de permis de travail soumis depuis le Cameroun, ils sont de 11 semaines en ce moment. Par contre, bon, il faut savoir que l'IRCC peut parfois dépasser ces délais de quelques jours. Hein, donc, pas d'inquiétude, si vous voyez qu'au bout de 11 semaines, pile, il n'y a rien, ça peut prendre un peu plus de temps. Super.
Merci. Tu parlais de Nadia de Lumit et quelqu'un nous demandait justement comment demander cet avis favorable. Ça fera partie des liens que je vais vous mettre en commentaire du replay sur notre chaîne YouTube PVTiste dès qu'on aura terminé ce live, bien évidemment. Et puis comme ça, j'imagine que sur le site, tout est expliqué, les documents demandés, etc. Expliquer. D'accord. Alors, c'est rapide, efficace, mais il faut être aussi très, très complet dans votre demande parce que s'il manque un document, ils ne vont pas vous le demander. Ils vont juste refuser. Parce que c'est pour ça que c'est rapide. Ça prend 2 semaines parce qu'ils ne perdent pas de temps à faire des allées et venues. Alors, dans tous les cas, il y a un formulaire à compléter dont vous aurez le lien sur le site de Lumit. Et vous avez également des documents justificatifs. On conseille que l'employeur fasse une lettre où il explique pourquoi il a, enfin, quels sont ses besoins, pourquoi ce candidat, qu'est-ce qui se passe si ce candidat n'est pas embauché. Donc, vraiment de détailler un maximum de choses. Et puis après, c'est les documents justificatifs qui sont souvent joints à la demande de permis de travail. Donc, en fait, c'est comme si vous préparez votre demande de permis de travail et vous mettez tous les documents justificatifs à la limite avec le formulaire qui a complété. Et vous Très envoyez bien. tout ça par courriel. Super, merci beaucoup. Alors là, j'ai une question que j'ai trouvée intéressante au début. Je me suis dit, ah, oh, mais non, mais je vais vous laisser quand même répondre. Mon employeur préfère me faire un permis de travail fermé. Je suis en attente de ma lettre d'introduction finale pour un PVT. Est-ce que l'obtention du permis de travail fermé avec cet employeur va annuler mon PVT? Non, il n'annule pas le PVT. Moi, je recommande toujours d'en faire un après l'autre et pas les deux en même temps. Donc, si vous avez l'invitation pour le PVT, ayez d'abord votre lettre d'introduction. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire les deux. Surtout pour le PVT qui est demandé de l'extérieur. Et là, le permis fermé va être demandé. J'imagine que la personne est déjà ici. Ben, elle attend sa lettre d'introduction, donc peut-être pas encore arrivée. Encore arrivé, moi je recommande toujours de ne pas faire les deux demandes en même temps pour pas qu'il y ait concurrence entre les deux demandes. Et puis certains agents ont tendance à supprimer la plus ancienne. Donc ayez d'abord votre PVT parce que c'est ce qui est le plus important pour vous et laissez après l'employeur faire le permis fermé qui ne pourra pas être un jeune professionnel. Là, ça devra être un permis avec l'IMT ou avec une dispense si vous êtes admissible à une dispense. Mais à choisir entre l'employeur et le PVT, moi, je choisirais le PVT. Je À souhaite surtout que le PVT vous permettra, si jamais ça se passe mal avec l'employeur, de trouver un autre emploi derrière. Alors que si vous êtes en permis de travail fermé, vous devrez recommencer toutes les démarches avec un nouvel employeur, en fait. Moi, j'essaierai de le rassurer en lui disant, je peux comprendre qu'un permis ouvert, peut-être, ça vous inquiète un petit peu, mais j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Et moi, je ne me lancerai même pas dans des démarches d'autre chose. Tu as un PVT, c'est royal, tu peux travailler. Peut-être que cet employeur a peur que tu partes ailleurs. Mais bon, comme tu auras toujours ton PVT, en fait, j'ai l'impression que ça sert à rien, cette nouvelle demande de permis de travail. Est-ce que je me trompe? C'est un avantage ou pas de travailler en permis Je pense fermé? que l'employeur, il pense aux jeunes pros. Je pense. Ouais, mais comme tu vas avoir ton PVT, de toute façon, le jeune pro, c'est fini. Donc, C'est ça. explique-lui bien. Peut-être qu'il n'a pas très bien compris comment ça fonctionne, tout ça, mais avec le PVT, tu es quand même tranquille. Mais aussi, c'est ça, il faut regarder votre intérêt. Et puis nous, c'est toujours ce qu'on conseille aux employeurs. Il faut concilier les intérêts des deux. Et là, c'est sûr que s'il n'est pas conciliant, c'est pas bon. Donc, moi, je vous recommanderais d'opter pour le PVT parce que le JP, vous êtes pris à la gorge après. Exactement. Alors, quelqu'un nous demande si, à un moment donné, pour le portail des employeurs, vous disiez qu'il fallait imprimer le reçu de paiement et quelqu'un demande si c'est indispensable de l'avoir, ce reçu. Oui, tout à fait, parce que après, ce document est demandé dans la demande de permis de travail. Il faut le fournir. Donc, si vous ne l'avez pas, ça peut être compliqué. Alors, si vous ne l'avez pas, nous, ce qu'on préconise aussi, c'est ben, de mettre d'autres preuves, soit le relevé de votre carte de crédit pour qu'on voit que le montant a été prélevé, ben oui, c'est ça, c'est juste ça, hein, finalement, c'est le relevé de carte de crédit. Ou bien l'employeur peut supprimer la demande, il pourra se faire rembourser et refaire une nouvelle demande et représenter à nouveau l'offre d'emploi. C'est pas très long, ça prend 20 à 30 minutes et la première va lui être remboursée, puis il repaye à nouveau pour imprimer le reçu.
Après, bon, par expérience, on peut vous confirmer qu'avec un relevé de carte bancaire, ça peut fonctionner, hein. On l'a déjà fait pour certains clients dont les employeurs n'avaient pas fait attention, n'avaient pas gardé le reçu. Mais vraiment, le plus simple, c'est quand même de faire juste un screenshot au moment où ça s'affiche, et puis au moins, vous êtes tranquille après. Exactement. Très bien. Alors, quelqu'un, je pense, répond au moment, Aurore, où tu parlais des nouvelles dispositions, hein, pour le permis de travail post-diplôme. Si nous avons changé de statut car le permis a expiré, est-ce que c'est possible? J'ai pas plus ça. Oui, bah, si entre-temps la personne a un nouveau permis, par exemple un permis de travail à 75 ou un autre permis fermé, il peut toujours faire la demande du permis de travail ouvert à partir du moment où il respecte bien les conditions. Donc, Et donc, ça, à alors, savoir le permis. sauf s'il a demandé un permis de travail ouvert pour détenteur de post-diplôme en 2001, en 2021. Alors, s'il l'a demandé, parce qu'il y a eu une politique d'intérêt public l'année dernière, en 2021, qui permettait de prolonger le permis de travail post-diplôme pour 18 mois. Si ça a été utilisé, on ne peut plus demander le permis ouvert de 2023, de 2022, pardon. C'est vraiment le permis de travail post-diplôme initial, en fait, qui doit expirer entre le C'est 21 ça. septembre, je crois, et puis le 31 décembre 2022. Très bien. Alors, mon permis de travail expire en novembre en raison de mon passeport qui expire à la même période, mais j'ai pu renouveler mon passeport qui est valide jusqu'à 2024 au minimum. Aurais-je toujours le courriel de IRCC? On revient un petit peu une demi-heure en arrière environ. C'est quand vous parliez d'autre chose, vous parliez d'un courriel envoyé aux gens. Voilà, la question parle de ça. Alors, j'avoue que j'ai plus les détails en tête, je vais essayer de retrouver, mais en gros, si le passeport est déjà renouvelé, la personne devrait, dans tous les cas, la personne devrait recevoir un courriel d'IRCC, et puis il faudra répondre, faudra probablement joindre une copie du passeport, ou on n'a pas les détails, Voilà, mais en on ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais il y en a déjà qui ont reçu ces lettres d'IRCC et il y en a qui, quand on va voir dans les groupes Facebook, j'ai reçu ma lettre, mais mon passeport va expirer avant telle date, qu'est-ce que je fais? Vraiment, on ne sait pas, nous, ce qu'on dit, c'est juste de répondre comme quoi ou d'envoyer le nouveau passeport ou d'aviser IRCC qu'il y a un nouveau passeport. Alors, vraiment, d'après les instructions qui sont sorties hier, si la personne a déjà son nouveau passeport, a priori, le courriel qu'il devrait recevoir, je crois que c'est en septembre. Et donc, il C'est ça. faudra simplement suivre les instructions et puis probablement, on ne sait pas exactement, mais probablement joindre une copie du nouveau passeport. Et par contre, si vous n'avez pas le nouveau passeport quand vous recevez le courriel d'IRCC, bah, il faudra faire une demande en ligne pour proroger le passeport. Parce qu'ils demandent quand même un Le... passeport valide jusqu'à 2024. Ce n'est pas tous les ambassades qui acceptent de renouveler un passeport encore valide jusqu'à 2024. C'est Donc, ça. Alors, ce qu'ils expliquaient dans le site web d'IRCC, enfin, sur le site web d'IRCC, c'est que vous pouvez, alors, si votre passeport, par exemple, expire en courant 2023 ou début 2024, et puis que vous n'avez pas possibilité d'avoir votre nouveau passeport, vous pouvez faire la demande en ligne du permis de travail ouvert, donc selon la politique d'intérêt public. Et nous, ce qu'on vous conseille à ce moment-là, c'est d'indiquer que vous avez votre passeport qui expire à telle date, mais que vous, normalement, le permis a une durée de 18 mois, et demander à ce qu'il soit prolongé par la suite, enfin, à ce que la prolongation soit possible par la suite. Donc, mais voilà, le premier, en tout cas, le permis sera émis avec la date de validité de votre passeport. très bien. Merci pour ces précisions. Alors là, on a une question qui ne concerne pas spécifiquement les permis sans EIMT, mais peut-être que ça peut être intéressant de l'aborder. Quel recours si l'employeur ne respecte pas ses obligations? Par exemple, il fait effectuer des tâches complètement différentes de celles prévues, code CNP différent, par exemple, opérateur à conducteur de chariot élévateur. Voilà, ça peut arriver qu'on se fasse embaucher et que ça ne respecte pas vraiment. Est-ce que vous avez un conseil à ce niveau-là? Ben, on peut porter plainte contre l'employeur, mais bon, est-ce que c'est dans l'intérêt du travailleur de faire ça? Il faut être aussi de bonne foi, il faut être raisonnable. On a eu par exemple un cuisinier qui reprochait à son employeur de lui faire faire la vaisselle, mais tous les cuisiniers lavent la vaisselle, donc il faut que ça soit vraiment d'abord pour demander
parce qu'il y a possibilité de demander un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, mais il ne faut pas que ça soit demandé de manière frivole. Il faut vraiment qu'il y ait des situations graves qui portent atteinte aux travailleurs pour demander ce permis-là. Puis il y en a de plus en plus qui sont refusés, les permis ouverts pour travailleurs vulnérables, parce qu'on considère que ça ne rend pas le travailleur vulnérable le fait de laver la vaisselle alors qu'il a un poste de cuisinier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est porter plainte contre l'employeur, dire qu'il ne se conforme pas et que le travailleur effectue des tâches que normalement ne font pas partie de la CNP. Mais bon, est-ce que c'est pertinent de le faire si vous êtes bien payé, si vous êtes respecté dans votre travail, que votre sécurité n'est pas mise en jeu? Est-ce que ça vaut la peine? Puis ça décourage après les employeurs à faire des nouvelles offres. Moi, j'ai déjà eu des employeurs qui m'ont dit « on ne veut plus de ressortissants de tel pays parce qu'ils portent plainte tout le temps, puis ils ne restent pas, et puis c'est juste un moyen pour eux de venir, et puis après, ils nous lâchent. » Alors, il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit vrai. Et puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça arrive que les employeurs fassent faire des tâches que normalement quelqu'un d'autre ferait, mais parce qu'il n'y a pas le choix aussi. Tout à fait. Merci pour ces précisions intéressantes. Est-ce qu'on peut faire un PTOT une fois qu'on a un permis de travail qui a expiré et on attend la résidence permanente? Alors, le permis de travail ouvert transitoire pour les détenteurs de CSQ. Donc, voilà, déjà, il faut être sûr que la personne doit probablement avoir un CSQ puisqu'elle est en attente de sa résidence permanente. Si son permis son ancien permis est expiré, il faut que la demande soit faite dans les 90 jours qui suivent l'expiration du permis. Sinon, malheureusement, c'est pas possible de faire la demande du PTOT. D'accord, merci. Et d'ailleurs, toujours concernant le PTOT, est-ce qu'il est possible de travailler pour n'importe quel employeur en attendant de recevoir le permis, ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir reçu le permis? Alors, tout dépend. Alors, juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, la demande de PTOT, si le statut est expiré et que vous la faites dans les 90 jours qui suivent l'expiration du statut, il faut bien entendu la faire avec rétablissement de statut et donc payer les frais de rétablissement de statut. Je ne l'ai pas précisé, mais là, je le précise. Après, au niveau du travail, tout dépend du permis que la personne avait précédemment. Si c'était, par exemple, un PVT, donc qui est un permis de travail ouvert, la personne pourra travailler pour n'importe quel employeur. En fait, il faut respecter les conditions du permis de travail qui va expirer ou qui a expiré en attendant de recevoir son nouveau permis de travail. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un nous demande en fait. Alors je donnerai peut-être une recommandation si vous avez un permis fermé, par exemple A75, et que vous avez un nouvel employeur qui vous attend, ne demandez pas le PTOT. Parce que ça prend 5 mois pour le recevoir, demander un autre A75 avec une autorisation à commencer à travailler dans les 10 jours. Et une fois que vous avez reçu cette autorisation, vous pouvez faire un permis de travail ouvert transitoire. Très bien, merci. Quelqu'un nous demande, en gros, si on résume, je veux partir travailler au Canada, j'ai le choix entre un permis de travail ouvert si je suis, par exemple, éligible au PVT ou si je suis conjoint d'un étudiant ou d'un travailleur qualifié, par exemple. Permis de travail ouvert, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, il faut absolument que je trouve un emploi à distance, en fait, si on résume. Ça dépend. Si la personne est admissible à un permis de travail ouvert, oui, tant mieux, demander le permis de travail ouvert. Mais si vous n'êtes pas admissible à un permis de travail ouvert, soit vous trouvez un travail à distance via les Journées Québec, via Destination Canada. Il y a plein d'organismes de recrutement. Ou bien vous venez comme visiteur au Canada et vous cherchez du travail une fois arrivé au Canada. Alors attention à ceux qui viennent comme visiteurs avec l'intention de chercher du travail. Il ne faudrait pas que l'agent frontalier il ait un doute que vous allez travailler sans permis. Donc évitez d'avoir des traces de recherche d'emploi ou d'échange avec des employeurs dans vos messageries, dans vos emails, parce que l'agent a le droit de tout fouiller. Et s'il voit que vous avez rendez-vous avec un restaurateur le lendemain, il peut vous remettre dans l'avion le jour même. Donc, il faut,
vous avez le droit de chercher du travail une fois au Canada, mais il ne faudrait pas que l'agent présume que vous allez travailler avant même d'avoir votre permis. Exactement. Donc oui, c'est ça, parce que la personne était a priori éligible au PVT, mais elle ne l'a pas encore eu. Donc oui, c'est vrai que pour beaucoup de permis de travail, il faut trouver l'employeur. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes à explorer pour trouver du travail. Ça peut paraître un petit peu difficile, mais il y a quand même beaucoup de domaines au Canada où les employeurs cherchent à recruter. Je précise que tout ce qui a été dit ce soir, à part un programme où il s'agit surtout de personnes qui viennent de l'Union européenne, tout ce que vous avez dit peut convenir pour toutes les nationalités. Finalement, quelqu'un nous parle du Chili, ça peut convenir. Alors, il y a des accords entre le Canada et le Chili. Alors, okay. Vous le trouverez dans la liste des codes de dispense. Il y a des accords commerciaux et des accords de visa entre le Canada et le Chili, avec une liste de professions qui vous permettront d'avoir un permis de travail sans EIMT. Donc, vraiment, dans la liste des codes de dispense, vous avez toutes les dispenses. Juste regardez-les attentivement et vous trouverez probablement votre dispense. Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, je vais mettre sur le replay sur YouTube les liens qui ont été évoqués ce soir, ne vous inquiétez pas. Et je vous rappelle de tout, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, je vous rappelle de quand même bien faire attention aux sites sur lesquels vous allez pendant vos démarches. Il y a une recrudescence ou en tout cas un maintien du nombre d'arnaques sur Internet, que ce soit pour le PVT, pour la résidence permanente, pour des permis d'études, des permis de travail. Vous êtes victime de ces arnaques en nombre, on en voit assez souvent. Faites très attention, le site officiel des autorités canadiennes pour faire vos démarches, c'est canada.ca. Et si jamais vous décidez de vous tourner vers un avocat ou un consultant en immigration, c'est très important de vérifier sur quel site vous êtes en train d'aller, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites comme ça qu'on voit en premier, en résultat sur Google, et malheureusement des gens se font arnaquer de 500 euros, 5000 euros, etc. Pensez bien à vérifier que vous êtes chez quelqu'un de fiable. C'est pour ça aussi qu'on fait ces lives avec le cabinet Nadia Barou, c'est qu'on sait que leur équipe travaille bien, est connue, reconnue, vérifiée, il n'y a pas de problème du tout. Vous serez bien conseillé et faites attention à ne pas donner de l'argent comme ça au premier site internet qui passe sur lequel vous avez mis votre numéro de téléphone et qui vous appelle. Voilà, souvent, cette technique-là de vous appeler comme ça directement et de vous demander de l'argent, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Donc, soyez vraiment vigilants, il y a beaucoup d'arnaques pour le Canada. J'ajouterais même qu'il y a des arnaques au niveau des avocats et consultants en immigration, puisque donc même nous, on a vu des personnes utiliser le nom de Nadia Barou, alors que ce n'était pas le cabinet. Donc, n'hésitez pas à contacter les professionnels directement par téléphone ou avec l'adresse courriel que vous avez pu voir, par exemple, dans notre présentation. Vérifiez bien que vous avez affaire à la bonne personne, parce que voilà, les personnes qui utilisent les noms, il y en a beaucoup. Exactement. Alors, il nous reste que quelques minutes. J'essaie de voir s'il y a une question qui pourrait être un petit peu généraliste. Il y a plusieurs questions sur le PMI+. Est-ce que sous le PMI+, est une offre d'emploi sans EIMT de catégorie C? Est-ce que le conjoint peut obtenir un permis ouvert? C'est le moment de faire le petit point sur les conjoints, justement. Alors, au niveau des conjoints, ça va dépendre aussi des permis de travail, en fait. Tous les permis de travail ne permettent pas d'avoir un permis pour le conjoint. Ça peut aussi dépendre de la catégorie d'emploi qui est occupée. Donc, c'est difficile là, de faire un récapitulatif, mais en général, il faut que l'emploi soit qualifié pour que le conjoint puisse obtenir un permis de travail ouvert, donc c'est-à-dire un emploi qualifié de catégorie 0, A ou B de la CNP, mis à part pour le permis de travail à 75. Oui. Tu me corrigeras, Nadia, mais il me semble que c'est ça. Pour le permis à 75, c'est plus ouvert, c'est ça? Oui, pour le permis de travail à 75, il n'y a pas de condition de catégorie d'emploi du requérant principal. C'est-à-dire que si le titulaire du permis de travail à 75 a un poste de catégorie C ou D de la CNP, le conjoint peut tout de même obtenir un permis de travail ouvert. Le PTOT aussi. Le permis ouvert, le permis de travail ouvert transitoire. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un s'est fait congédier par son employeur. Est-ce qu'il doit faire un changement, quelque chose pour changer son permis de travail, sachant que son visa était valable initialement jusqu'à 2024? C'est un permis ouvert?
Il ne l'a pas précisé, il dit par mon employeur, donc j'aurais tendance à penser que c'est un fermé. Mais Alors, c'est si pas. c'est un permis fermé, il ne peut plus travailler, il faut qu'il change de permis. Il faut qu'il ait un nouveau permis qui lui permet de travailler avec le nouvel employeur. Si c'est un permis ouvert, il fait ce qu'il veut, mais si c'est un permis fermé, il a le droit de rester au Canada jusqu'à l'expiration du permis, mais il ne peut pas travailler pour un autre permis tant qu'il n'a pas un nouveau permis qui le lui permet. N'a D'accord. pas le droit de travailler pour un nouvel employeur, pardon. Oui, c'est vrai que c'est logique. Comment on peut rester sur place pour être là et faire des Et chercher entretiens? un autre, voilà, exactement. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui demandent si ils peuvent vous contacter pour suivre le dossier ou monter un dossier. Comme je vous le disais tout à l'heure, on vous a mis en commentaire un petit lien vers un article sur pvtis.net qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur les services du cabinet Nadia Barou. N'hésitez vraiment pas. Et ce conseil va aussi pour les personnes qui nous demandent, en fonction de ma situation, qui est-ce qui est le mieux. Il y a tellement de permis de travail pour le Canada qu'en fait, on ne peut pas vraiment vous indiquer là comme ça, de but en blanc, ce qui serait le plus approprié pour vous. Alors, juste si vous nous écrivez un message détaillé avec votre CV, avec pour qu'on puisse juger si c'est pertinent une consultation ou pas. Si vous dites juste, voilà, je veux travailler au Canada, je viens de tel pays, c'est pas suffisant, puis on répond pas. On répond si vous prenez le temps de faire un message détaillé avec votre CV, avec votre âge, votre pays, et là, on va prendre le temps de vous répondre de manière détaillée. Votre Très bien. situation familiale également, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, quelles sont les situations des membres de votre famille? Ça, c'est également important parce que ça permet aussi d'élargir les options et puis nous de pouvoir éventuellement Votre voir CV et le des CV possibles. du conjoint ou de la conjointe, c'est très important. Si vous prenez la peine de faire un message détaillé, vraiment, on va prendre la peine de vous répondre de manière détaillée. Super. Pour une demande de permis C16, une fois les papiers reçus de l'employeur avec le contrat, est-ce que l'on peut aller faire le tour du poteau directement pour avoir notre permis de travail ou alors est-ce qu'il y a encore une étape avant de pouvoir faire cela? Alors, normalement, on peut aller faire le tour du poteau, mais nous, on ne conseille le tour du poteau que quand on connaît la situation du travailleur qui va demander le permis, parce qu'on ne peut pas conseiller d'aller comme ça, au point d'entrée si on ne connaît pas sa situation, parce que bien sûr, il y a toujours un risque, non seulement de refus, mais un risque de devoir quitter le Canada. Donc, oui, c'est possible. C'est possible si vous avez toujours respecté vos conditions de séjour, vous avez toujours travaillé avec un permis. Je donne juste un exemple. Un étudiant a fini ses études et il a mis 2 mois avant d'aller chercher son permis de travail ouvert, son permis de travail post-diplôme à la frontière. Comme il avait un permis d'études valide, il a continué à travailler 20 heures semaine alors qu'il n'en avait pas le droit. Il est allé à la frontière, expulsion, parce qu'il a travaillé 2 mois sans permis. Donc, c'est pour ça, je dis, on recommande le point d'entrée quand on connaît bien la situation de la personne. Par ailleurs, il faut savoir que les agents d'immigration au point d'entrée peuvent être très très réticents à délivrer des permis dont les demandes auraient pu se faire en ligne. On a eu enfin, plusieurs personnes ont fait ça et ça s'est assez mal passé. Certains agents ont même refusé de traiter les dossiers. Donc, faire vraiment très attention avec les demandes au point d'entrée. Par exemple, vous avez un PVT encore valide, mais vous voulez prendre de l'avance et vous demandez un C16 à la frontière, ben, il va vous dire non, vous pouvez commencer à travailler pour l'autre employeur. Ils vont être plus sensibles si vous avez un permis fermé, vous avez un nouvel employeur qui ne peut pas vous attendre 4-5 mois. À ce moment-là, oui, ça vaut la peine d'aller demander le permis au point d'entrée. Mis à part, je crois, pour le Le A75, hein, j'ai 1,75, ce n'est pas possible. c'est Il plus n'est plus possible de possible. demander que ce soit un changement d'employeur ou une prolongation, c'est plus possible de le faire, de le faire au point d'entrée. Et pour les permis pour lesquels c'est indiqué clairement sur le site d'IRCC que la demande doit se faire uniquement en ligne. Par exemple, le nouveau permis ouvert pour les détenteurs de PTPD, ben, ils ne peuvent pas le demander au point d'entrée. Très bien, merci pour tous ces détails. Il y a quelqu'un qui est en jeune pro et qui souhaiterait switcher en PVT. Malheureusement, ce n'est pas possible. Le PVT et le jeune pro ne sont pas cumulables et on ne peut pas changer de permis EIC comme ça. On en Alors, obtient un. pour les Français, ce n'est pas cumulable. Mais pour certains pays qui ont une année pour chaque participation, ils peuvent. Ouais.
C'est vrai que je suis partie du principe que c'est un français, Ouais. effectivement. Si tu n'es pas français, ce n'est pas forcément vrai ce que je viens de dire, effectivement. Il y a des personnes qui ont noté, Nadia, que tu as recommandé pour certains pays d'Afrique, notamment pour lesquels il faut un visa, de demander le visa touristique dans un premier temps et plus tard un visa de travail. Il y a quelqu'un qui demande s'il peut demander un visa touristique alors qu'il a déjà lancé sa demande de visa de travail sous la dispense C16. Il n'a pas dit s'il l'avait obtenue ou pas pour le moment. Non, ça c'est par contre non. C'est un peu trop tard. Ouais, du coup le Alors, message est c'est ça, mais ça dépend encore. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager, qui a plein de visas sur son passeport, Schengen, États-Unis, qui a une bonne situation dans son pays, qui est économiquement à l'aise, il va avoir son visa touriste, même s'il a une demande d'immigration en cours. Mais si l'agent pense que vous allez rester au Canada, même si votre permis est refusé, il ne vous le donnera pas. D'accord. Alors, j'aimerais juste faire un petit point sur la 75 parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient assez confuses par rapport à ce qu'on a dit, notamment. Alors, en général, quand vous renouvelez votre permis de travail, si votre permis actuel expire, en attendant d'obtenir votre nouveau permis de travail, vous devez travailler dans les mêmes conditions que le permis qui a expiré. Toutefois, pour le permis de travail à 75, et pour d'autres. Pas pour tous les permis de travail fermés, hein, mais pour certains, il est possible de faire ce qu'on appelle une demande pour commencer à travailler pour le nouvel employeur. Donc, c'est une demande qui se fait de mémoire par formulaire web d'IRCC. Et une fois que vous avez obtenu l'accord d'IRCC, vous avez le droit de commencer à travailler pour votre nouvel employeur en attendant d'obtenir votre nouveau permis de travail. Mais voilà, c'est vraiment que quand vous faites cette demande de changement d'employeur, sinon vous devez impérativement travailler dans les mêmes conditions que votre permis qui a expiré. D'où la nécessité de passer par un autre A75, parce que même si vous êtes admissible à un permis de travail ouvert transitoire, cette autorisation à commencer à travailler pour un nouvel employeur ne peut se demander que si on passe d'un permis fermé à un permis fermé. Si on passe d'un permis fermé à un permis ouvert, vous ne recevrez pas cette autorisation à commencer à travailler dans les 10 jours qui suivent la demande. Donc, si votre nouvel employeur est pressé de vous avoir, passez par un permis à un autre A75 avec demande d'autorisation à commencer à travailler. Et quand vous avez cette autorisation, là, vous pourrez demander le permis ouvert transitoire. Très bien. Alors, on n'aura peut-être pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait plusieurs hein, qui se recroisaient quand même. Là, on arrive au bout de ce qu'on avait convenu pardon, comme durée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder plus tard le replay de ce live pour bien tout recomprendre. N'hésitez pas à regarder les autres replays de live qu'on a fait par le passé. Comme je vous l'ai dit, là, je vais tout mettre en ligne sur YouTube avec tous les liens, etc. Et puis, n'hésitez pas à contacter l'équipe du cabinet Nadia Barou si vous avez besoin d'un conseil. Comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire un accompagnement sur plusieurs mois, ça peut être un rendez-vous où on fait le point. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, au moins, vous y verrez plus clair parce que je sais que l'immigration temporaire ou permanente au Canada, c'est un petit peu à s'arracher les cheveux, à ne plus rien y comprendre. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous avez expliqué ce soir. On espère que ça a bien, comment dire, éclairci les choses pour nos spectateurs du soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne suite de journée à celles qui sont au Québec, celles et ceux qui sont au Québec, et puis à tous les autres, une bonne soirée et à très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.